Hello, une vidéo spéciale, on dit adieu à Rock'n'Roller Coaster qui est juste derrière moi. Alors le monde, ce que vous pouvez voir là, à la queue, c'est qu'aujourd'hui, normalement, pour le dernier jour, quand on va prendre un fast-pass, on revient, on a un mot de passe, Sweet Emotion à dire, et on aura un magazine spécial. Donc j'espère vous montrer ça. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, je vous passe la main à Victor, on vous explique plein de choses sur Rock'n'Roller Coaster, moi je reviens plus tard. Donc à moi de vous parler de l'attraction. Donc on est en 2002, l'ouverture du Walt Disney Studios. C'est l'attraction phare, parce qu'il n'y a pas encore la tour de la terreur des attractions comme ça. Donc c'est l'attraction phare, la seule grosse sensation et la seule vraie attraction en réalité. Donc c'est un partenariat avec Aerosmith, ça vous l'avez compris. Le constructeur c'est Vekoma. Vekoma vous connaissez pas, mais en fait vous connaissez parce que c'est eux qu'on fait Big Fun à Mountain, c'est eux qu'on fait Space Mountain, c'est le gros partenariat avec Disneyland Paris. Donc on rentre dans un studio d'enregistrement, tour de Force Records que vous avez vu. Il y a Aerosmith qui est en visite et qui nous parle de cette nouvelle voiture futuriste qui peut rouler au son de la musique, c'est-à-dire qu'elle peut rouler à la même vitesse que le rythme de la musique, et on va être parmi les premiers à la tester. Comme vous le constatez, le groupe est en train de procéder au tout dernier réglage technique concernant la musique de la nouvelle attraction que vous allez être parmi les premiers à découvrir. Please move all the way to the studio and remember to refrain from flash or video photography. As you can see, the band is making some last-minute tweaks on the new line of music technology that you're going to be among the first to experience. What a crowd, what a mob, what a ride, what an experience, Ali! Unreal. I was on the track going like this, right? 1G, 2G, 3G, 4G, and I got right up to here, and I thought I was going to lose it, and I felt like I was hearing, going now! On vient de m'informer que nous sommes prêts à accueillir nos VIP dans la zone d'essai pour leur voyage test. Donc on entre dans l'aire d'embarquement, dans ce sorte de laboratoire musical avec le train. Alors l'attraction c'est un light show, donc c'est un spectacle de lumière, il n'y a pas de décor fixe à proprement parler, contrairement à celle des États-Unis. Donc voilà, à nouveau, c'est un peu le bel exemple de ce qu'est les Walt Disney Studios ici en France, enfin de ce qu'étaient plutôt les Walt Disney Studios ici en France, cette sorte de, pas bâclé, mais moins fini que les attractions similaires qu'on peut retrouver dans le monde. Mais en tout cas voilà, c'était un test. Et le train, pour qu'il roule à la vitesse de la musique, quand ils ont construit l'attraction, ils ont fait des prévisualisations en 3D et des tests quand ils avaient fini l'attraction pour que le train roule vraiment au même rythme que la musique. Et vous aurez vu, si vous l'avez fait un jour dans votre vie, que effectivement ça marchait bien, ça roulait bien au même rythme que la musique. En parlant des trains avant 2016, donc jusqu'à 2016 quand ils ont un petit peu rénové l'attraction et ils ont changé la plupart des trains, on passait dans la catapulte de 0 à 91,8 km/h en 2,8 secondes. Et après la rénovation avec les nouveaux trains, ils ont arrondi, on passait du coup de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes, donc c'est à peu près 4G il me semble, ou 3,5. Pour ceux qui connaissent à peu près ce que c'est léger. Le tour complet c'est 1 minute 29, mais avec le thème ça rentre bien forcément, et quand on apprend qu'on passe de 0 à 100 km/h, ça semble assez logique que l'attraction soit très rapide. Et pour bien justement nous mettre dans l'ambiance et qu'on ait bien la musique à fond dans les oreilles, il y a 4 haut-parleurs par siège, donc c'est beaucoup. Et donc justement on va parler des chansons et des musiques des trains. Avec le partenariat qu'ils avaient avec Aerosmith, ils ont fait une demande spéciale, c'est que Love in an Elevator, la musique très connue d'Aerosmith, soit changée et devienne Love in a Roller Coaster pour un train, parce que justement il y avait 5 trains différents qui proposaient chacun 2 chansons différentes par train, sauf justement Love in an Elevator qui revenait 2 fois mais pas le même passage. Et justement dans le train où elle était la version finale, c'était Love in a Roller Coaster quand vous arriviez à la gare. Pour les chansons, on avait Back in the Saddle, You Look Like a Lady, Young Lust, Nine Lives, Sweet Emotion, Love in an Elevator du coup, et Walk This Way. Voilà le Saint Graal. Sweet Emotion, c'était le mot de passe qu'on donnait. Alors il fallait prendre son fast-pass, et fast-pass c'était de 12h à 14h, après il n'y avait plus de magazine. C'est une beauté. Et il est sublime. Bien sûr, je ne l'ai pas lu, je sors juste de l'attraction. Ça valait vraiment le coup de... Bah, l'attente, elle valait vraiment le coup. Superbe souvenir. Le passé, la couverture, le futur. Iron Man. Je sais, il y en a qui râlent déjà, moi je suis content. Donc, beaucoup d'émotions, j'ai fait comme je voulais faire l'attraction. C'est terminé, donc tout ce que vous avez vu avant, vous ne le verrez plus jamais. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis ben... Bye bye Rock'n'Roller Coaster. Bye.